sais pas pourquoi j'ai commencé par et bonjour et bonsoir. Il y aurait bonjour ou bonsoir, parce que bonjour et bonsoir, on ne peut pas vraiment le faire dans ce sens-là. On peut plutôt faire bonsoir et bonjour quand il est proche de minuit. Mais c'est pas un problème. Donc vous voyez ici la V-ville et ici Froggydale. On finira par aller à un moment ou un autre les bouter hors de chez nous. Puisque hein, il faut quand même leur taper sur le coin du pif à un moment ou un autre. Donc ici, on se retrouve, comme je vous l'avais dit hier, à fabriquer des armes et des armures. Donc ça va plutôt très vite d'ailleurs, la fabrication d'armures et d'armes. Hein. Comme vous pouvez le voir déjà, j'ai quasiment tout fabriqué en bottes et en pantalon. Un pantalon en bois doit être quand même relativement inconfortable. Hein. Je ne sais pas, mais je pense que je n'aimerais pas forcément tester. Et donc une fois qu'ils vont avoir construit tout ceci, ils vont avoir plein de lits à construire. Et j'aimerais bien qu'ils construisent les deux petits bancs en plus, parce que si ces bancs sont construits, ça ira plus vite pour construire le reste. Et si ça va plus vite pour construire le reste, et ben c'est super. Donc en même temps, de temps en temps, ils construisent un petit morceau de mur, hein, quand il y en a un qui s'ennuie sûrement. Hein, ça doit être Desdemon, non je ne sais pas. J'attends qu'il soit ici. Demetrius. Mevrel, pourquoi pas. Ça arrive aussi à des gens bien. Et donc voilà. Donc là vous voyez qu'en même temps il y a du coupage d'arbres. J'ai fait dire de la coupure d'arbres. Je pense qu'on peut le dire aussi, mais non. Donc il y a des arbres qui sont coupés en même temps. 3 pommes, 4 pommes. Je pense qu'il va falloir que je rajoute des champs de pommes. Parce que je n'ai pas assez de pommes pour que ça fonctionne bien comme il faut. Et donc on va rajouter de la pomme. Non, j'ai dit lower terrain. Lower terrain. Rise, non pas du tout. Lower. Niche, problème de souris. Lower. Par ici. Et par. Non, pas ici. Ici. Et là. Et puis ici aussi. Et là aussi. Aujourd'hui cet épisode terraformation. Parce que terraformer c'est bien. Remful pourrait vous en dire quelque chose. Voilà, on va mettre des pommiers ici. Donc on n'est toujours pas. Ah voilà, deux carpentry bench de plus, ils sont construits, je ne les avais pas vus. C'est-à-dire que maintenant, forcément, la nouvelle priorité, c'est de labourer la terre. Une fois que la terre va être labourée et qu'ils vont avoir récolté tout ça, etc., machin, on va enfin pouvoir fabriquer des lits. Ils vont enfin pouvoir dormir mieux, j'espère pour eux, quelque part. Nous sommes le jour 14, nous n'avons toujours pas perdu de citoyens. C'est un miracle. Et puis c'est vrai que nous ne sommes toujours pas descendus en dessous. Mais ça va arriver très prochainement. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc là, on va déjà rajouter des pommiers. Pommiers, pommiers, pommiers. Et pommiers. Donc je ne sais plus s'ils font ça directement ou s'il faut que je récolte moi-même les pommes. Mais on va faire ça. Comme ça, ça va récolter des tonnes de pommes et ils vont pouvoir les planter gentiment comme des grands vitoyens qu'ils sont. Ouh, vous voyez déjà deux lits. Donc déjà des vitoyens peuvent dormir dans leur lit. C'est super. Comme ça, ça fera mieux sur les brochures touristiques de la ville et les gens accepteront de venir beaucoup plus facilement dans la ville. Donc j'ai forcément, oui, bien sûr, je vous avais dit hier que je vous montrerai comment régler le problème du planted pear tree, j'ai complètement oublié. Donc je le ferai sûrement prochainement. Je vais essayer de trouver un moment pour le faire et ne pas oublier. Je sais, c'est pas très facile de le dire et de ne pas le faire. Et j'oublie absolument tout le temps, donc j'espère que très prochainement je vais arrêter d'oublier et je vais réussir à le faire. Et donc, bien, cet épisode, hein, il ne se passe pas réellement grand-chose. Je suis tout à fait d'accord avec vous.
Mais comme j'ai dit que je le filmerai entièrement sans coupure, et je vais essayer d'éviter de faire comme la dernière fois où j'ai perdu quand même 3 ou 4 épisodes, ça m'est tellement énervé que ce coup-ci, je vais tenter de ne pas le faire, voilà. Demetrius, qu'est-ce qu'il nous fabrique, Demetrius ? Qu'est-ce qu'il nous fabrique ? Frédéric doit nous fabriquer un lit, ça donne fabrique quelque chose. Malkin doit nous fabriquer un lit aussi. Ah merci, des lits. Des gens vont enfin pouvoir dormir. Terowin, est-ce que c'est elle qui a fabriqué son propre lit ? Non, Malkin a été extrêmement gentil avec Terowin et lui a fabriqué un lit. C'est génial. Donc nous ne sommes toujours que 11 vitoyens au jour 15. Je n'ai toujours pas compris comment fonctionne la migration des vitoyens. Donc je ne sais pas si je vais réussir à en avoir très prochainement, pas prochainement, prochainement ou autre chose. Il manque encore une demi-douzaine de lits, même un peu plus, puisqu'une demi-douzaine ça fait à peine une ligne de chambre. Donc voilà, c'est en train... Toute la ville est en train de se mettre en place. Tout doucement, mais c'est pas mal non plus. Voilà, ça avance, doucement mais sûrement. Je pense que mes réserves de bois sont à peu près à la bonne taille. Je ne vais pas avoir besoin de faire plus de forêt que ça. Je suis en train de faire énormément de vaches dans tous les sens. Donc on va demander à avoir un... Oui, mais je n'ai pas de butcher table. Donc du coup, ça va être en suspens le temps d'arriver... Le temps d'arriver, non, puisque je peux le faire tout de suite. Le temps de fabriquer un butcher table. Donc, j'ai des armées, des armures qui jonchent le sol absolument partout. Mais ce qui est bien, c'est que dans pas extrêmement longtemps, c'est-à-dire quand ils vont avoir fini de faire les lits, ils vont se remettre en rempart et quand il n'y aura plus de cailloux, en théorie, ils devraient commencer à tout ranger. En théorie, en pratique, je ne sais pas. Mais on va bien voir, puisque peut-être dans cet épisode, peut-être dans le prochain, peut-être un peu plus tard, je ne sais pas encore. Fatalement, au bout d'un moment, ça va être fini. Et donc, ils vont commencer à ranger tout ça, puisque j'ai fait des superbes racks pour mettre tout ça dedans. Ah, il ne manque plus que 4 lits. 3, 2, il ne manque. Et même, il manque un lit. C'est génial. Le dernier lit, ensuite, vont-ils commencer à ranger les machins, les bidules et les trucs ou pas? Grande question fondamentale. Je ne sais pas ce que ça va donner. Là, ils récoltent des pommes, c'est super. Personne ne construit le dernier lit, c'est sympa pour Frédéric. Si, peut-être, non. Personne ne construit le dernier lit, donc Frédéric va dormir tout seul avec de la boue comme seul oreiller pendant encore quelques temps. Donc ils vont tous passer à construire le mur. J'aimerais bien qu'ils arrivent à bouger ces trucs-là, comme ça je pourrais agrandir les ateliers. Et ce qui veut dire agrandir l'atelier de maçonnerie, veut dire aller plus vite dans le mur. Pas dans ce sens-là, hein. On ne va pas aller plus vite dans le mur avec la V-ville. Juste construire des murs plus vite. Bon, effectivement, si on va tout de suite au donjon numéro 4 ou 5, on va aller dans le mur. Mais c'est pas ça qui est l'important maintenant. Donc j'aimerais bien... Est-ce que je peux... construire quelque chose dessus ou est-ce que je me fais avoir? Non, je me fais lamentablement avoir. Vu que j'ai pas excessivement envie de construire une autre zone de maçonnerie, mais je vais le faire quand même. Maçonnerie, donc une maçonnerie ici, non. Bien là. Là. Voilà. Banc de maçonnerie, donc il me semble que j'ai fait 5 marteaux tout à l'heure, et donc on va faire 5 bancs de maçonnerie. Et est-ce que quelqu'un va les faire ou est-ce qu'ils sont trop occupés à faire autre chose à côté? Je pense que maintenant j'ai trop de pommiers.
Mais enfin, c'est pas excessivement important. Ah voilà, Frédéric a son lit. Donc, en théorie, dans pas très longtemps, si ma vie est assez attractive, nous allons avoir un flux migratoire. Donc là, qui dit plus de bancs de maçonnerie, dit plus de murs plus vite. Et plus de murs plus vite, ça veut dire que beaucoup plus vite, ils vont être libres de faire autre chose que de la maçonnerie. Je sais que je pourrais tout annuler mes trucs pour que ça aille plus vite, mais à un moment ou à un autre, il va falloir le construire. Et donc, bien, j'en profite de le faire maintenant où tout va à peu près bien avant que ça devienne semi-critique. Et forcément ici ils ne peuvent pas y accéder. Fatalement j'aurais dû y penser. Donc ils ne vont pas pouvoir mettre le petit bout de mur là. Super, on va retirer ce mur là le temps qu'il pose le mur ici et que ça reparte. Voilà, maintenant il peut en faire 5, 6, 7, il peut faire 7 morceaux de mur en même temps. Ça devrait aller assez vite. Hop, voilà. Voilà, un bout de mur ici. Hop. 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 Fatalement ici non plus ils vont pas pouvoir y aller. Ah, si, ils peuvent traverser les arbres quand même. Hop, récolter les pommes. Couper les arbres. Couper l'arbre et mettre du mur à la place. Il y a beaucoup de production de murs en même temps. Dans très peu de temps, nous allons arriver au bout du caillou. Voilà. Mur, mur. Mur, mur. Vous voyez, ça va quand même plutôt vite. Fatalement, je n'ai pas regardé l'heure au début de cette émission. Hein. En même temps, je pense que ça ne doit... Enfin, ça ne devrait même plus vous étonner si je vous dis ça, puisque je pense que depuis tous les épisodes de la VV, j'ai dû le dire à peu près, si je me trompe pas, à chaque fois. Et la seule fois que j'ai regardé l'heure, je pense que c'est pendant au moment où j'ai fait l'ultra long play de rangement de la VV. Du coup, je pense que je vais carrément arrêter de dire que je n'ai pas regardé l'heure, puisque ça tombe sous le sens que je n'ai pas regardé l'heure. Voilà, donc il y a un caillou ici, il en reste un tout petit peu ici, il en reste un peu dans ces barils. Et donc voilà, très prochainement, c'est-à-dire à peu près maintenant dans une minute, il n'y aura plus de cailloux, et plus de cailloux dit plus de murs à construire, enfin plus de murs constructibles. Et ils vont pouvoir passer à autre chose. Je pense qu'on va en profiter aussi pour couper et on va voir si c'est pas trop court. Et donc voilà, il pose encore un peu de mur. Et voilà. Donc qu'est-ce qu'il reste? Il reste deux cailloux ici. Et plus rien d'autre. Le caillou, c'est la dèche, et c'est fini. Oui, c'est ça. Ah non, il en reste un wolf. C'est fini. Ça y est, le caillou, c'est la fin. Vu que c'est la fin du caillou, ils vont pouvoir commencer à tout ranger. Et ça, c'est plutôt sympa et pratique. Il reste 3 cailloux. Enfin, il reste un caillou en fait, puisque chacun d'entre eux va en prendre un. Tiens, je vais en profiter pour regarder qu'est-ce qu'il y a dans les decorative walls. Ah, c'est sympa. Ah, il faudrait essayer un moment. Et voilà. Le caillou, c'est terminé.
ça, c'est très bien. Ça veut dire qu'on va les voir faire, j'espère, autre chose. Allez-y, petit vitoyen, faites autre chose. Par exemple, ranger. Ça serait bien, ça, ranger. Moi, j'aimerais bien, en tout cas. Ça n'a pas l'air d'être forcément ce qu'ils ont envie de faire. Il y a plein de farine ici. Donc la farine, j'imagine que ça ne rentre pas là-dedans, fatalement. Tac. 1, 2, 3. Normalement, on devrait les fabriquer assez rapidement. Et voilà. Ça, c'est très bien, mais c'est parfait. Donc je n'ai plus qu'à avoir des immigrants. Donc pour booster la possibilité d'avoir des immigrants, on va préparer plein de trucs vides, et après, c'est à dire au prochain épisode, nous allons explorer les nouvelles zones disponibles, puisque c'est toujours sympa à faire. Et voilà. Et avec tout ça, normalement, il y a plein de possibilités. Donc là, ils sont 11, il doit y avoir au moins 20 chambres. On aurait gagné quelques immigrants. Et donc sur ce, je vous propose qu'on se laisse pour ce soir, ou ce matin, ou ce midi, ou quand je posterai l'épisode, en fait, plutôt. Nous allons donc nous laisser, et à demain.